Parmi toutes, l'addiction la plus courante à Mayotte est le tabagisme. Sa prévalence est élevée chez les hommes à 21% et est de 2% chez les femmes. Les mineurs ne sont pas en reste, leur prévalence est de 4%. 97% de ces fumeurs déclarent avoir fumé des cigarettes manufacturées. Pour ce qui est de l'alcool, un quart des 15-69 ans déclarent l'avoir consommé dans leur vie. 8% sont des mineurs et 26% des adultes. Quant à l'expérimentation de cannabis couramment appelé bangué, la part de personnes l'ayant expérimenté est de 6% parmi les 18-69 ans et de 3% parmi les 15-17 ans. Selon l'enquête Unono à Maoré, des efforts de prévention sont indispensables sur le territoire au vu des résultats.